Merci, Monsieur le Président. Ceux qui, depuis 2015, nous avaient mis en garde contre les risques d'une immigration de masse, illégale et incontrôlée, avaient entièrement raison. Une telle immigration génère, parmi de nombreux autres problèmes, d'imminents risques de sécurité. Aujourd'hui, nous réitérons donc notre appel. Les nombreuses attaques contre la vie et les biens de paisibles citoyens européens doivent cesser. Ceux qui ne bénéficient pas du droit d'asile ou d'une protection internationale doivent être éloignés sans tarder de nos pays. Mais il y a plus. L'asile et la protection sont des statuts temporaires et ne peuvent être assimilés à une immigration. Le statut des bénéficiaires doit donc être régulièrement réévalué et dès que les circonstances le permettent, ils doivent retourner dans leur pays. De même, ceux qui rentrent dans leur pays, par exemple pour y passer des vacances, alors qu'ils bénéficient d'un statut de protection en Europe, doivent perdre ce statut avec effet immédiat. Je vous remercie.